Ladies and gentlemen, bonsoir à toutes et à tous, c'est l'Archivant, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir en compagnie du grand, du magnifique Wotan. Il est là, c'est exceptionnel. Enfin, 5 ans après, on le retrouve. J'ai deux enfants, Wotan, depuis deux enfants. Non, c'était il y a 2 mois. Mais Clem s'est remarié. Grave. Avec une porte, tout le monde. Salut tout le monde, ça fait plaisir. En direct du nouveau PC, oui. On est avec Atlantica aussi, bonsoir. Bonsoir. Il est temps de repartir sur Sons of the Forest 1.0, ce sera filmé. Vous pourrez retrouver le let's play sur ma chaîne, sur la chaîne de Wotan. Voilà, si vous voulez des POV différentes, bah vous aurez les deux POV comme ça, hein, c'est cool. Parce que c'est vrai qu'on était, alors je rappelle, hein, sur l'ancienne version, on va tout recommencer de zéro, parce qu'évidemment, il y a tout qui a changé. On avait joué au tout début de Sons of the Forest, qui était déjà très sympa. En vrai, il y avait des choses déjà sympas. Bon là maintenant il y a tout, il y a le endgame, tout ça, là 1.0. Oui c'est un mauvais souvenir, c'est toujours le... Tu sais il y a Jean Teuteux là, le Kevin là qui est avec nous. Ouais et là tu vas regarder avec ton son PC, pote informaticien, bientôt. Ouais voilà tu vois ton... Ils te disent que Edward Puffton, donc le fameux millionnaire, milliardaire là avec sa fille, je sais plus si c'est millionnaire ou milliardaire, et avec sa mère Barbara, qu'on avait trouvé hein, d'ailleurs, hein. On les avait trouvés sur un dîner, tu sais. C'était d'ailleurs le dernier truc qu'on avait fait, c'est-à-dire qu'on était rentrés et c'était des monstres un peu mutants qui t'attaquaient. Et tu voyais les... Tu sais, on était dans une sorte de grand banquet. Ah, c'est ultra fluide, mais quel bonheur. Non, mais toi, t'as vu le premier Sons of the Forest, tu l'as fait en PowerPoint, en vrai. C'est suite à l'histoire du 1, pas exactement. À la fin du 1, t'as le gars survivant qui revient. Et c'est vrai qu'on aurait pu se dire, ouais, bon, on va jouer le rôle du gamin qui a été rescapé, qui est un peu avec des pouvoirs mutants et tout, parce que la cinématique de fin de The Forest, c'était un peu ça. Mais, le son est peut-être un peu fort, mais non, en fait, on est un mec qui enquête. Alors, je sais plus si on est de l'armée ou journaliste. On est plus journaliste en mode on vient chercher une famille de millionnaires qui a disparu sur une île. Ah, mais faut que je ferme mon PC, je suis con, j'ai oublié qu'il fallait fermer le PC. Combattre les démons. Oui, bah oui. Oui, il se passe pas grand chose, j'avais oublié, mais l'autre fois, je l'avais fait en plus. Holy smokes. Bon, j'ai baissé le son, il est un petit peu fort. Ouais, j'avais baissé un peu la musique justement parce que c'était un peu violent. Mais on n'est pas censé être sur la plage. On est des journalistes? Non, je ne travaille pas pour Libération, c'est promis. Après, j'ai attendu tellement longtemps. J'ai attendu tellement longtemps autour de l'hélico. Est-ce que le point de spawn change en fonction du moment où tu décides de fermer le... Ça serait trop bien, ça. Ah, par contre, attends, ils ont rajouté des trucs à la cinématique, je crois. On t'entend in-game, Atlantica. Ah, merde, pardon. Ah, je vous vois. Je me tais le temps de régler ça. Oui. Et... Si tu pouvais le faire pour toute la soirée, s'il te... Putain, mais on a spawné dans la neige? Mais non. On est dans la neige, ouais. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir froid dès le début. Mais c'est possible, ça? Alors, je vais baisser le son, chers amis, parce que je pense que je viens de vous dézinguer les oreilles. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, il y avait toujours lui. Oh, il parle, il parle, il parle. Ah, tu vois, on a un truc de presse, tu vois, on est un journaliste. Ouais, c'est ça. Ah, ils ont rajouté des détails dans la cinématique. Avant, il y avait juste un mec qui nous mettait une mandale. Et là, le gars, il a dit, ouais, t'es qui? Il t'enlève ton truc de presse et il te tabasse. Le truc de presse, c'est le gars qui parle, il n'y avait pas du tout ça. Ça, par contre, on est dans la neige, faut qu'on se... Ça commence à se bolosse déjà. Et voilà. Oh pardon, mon dieu. Oui, du C4 et une grenade. Ajouter des objets sur la surface. What? Pour les ouvrir et les combiner. Ah non, okay. C'était Dark le gars par terre. Ok, là, d'accord. Là, pack de secours. Oh, on a des valises, on a un sac à dos. Ouais, bah comme d'hab, ouais, mais attends, on est dans la neige. On va mourir. Il y a Richard Bertrand machin là, il est là. Oh, il y a le cadavre de l'hélico. Okay. Ah ouais, ok, attends. Donc on est en plein milieu de la neige, donc c'est-à-dire qu'en termes de survie, ça va vite être la misère en termes de température. Ça, c'est notre ami IA autiste, là, c'est ça? Ah, il s'appelle Kevin. Oui, c'est Kevin. Ah non, Kelvin, pardon. Non, non, on va l'appeler Kevin, peu importe. Kevin. Bon, oubliez pas de prendre les trucs, là, pour la tente de survie. Je sais pas, moi, je récupère des piles. Je sais pas à quoi ça sert, mais en tout cas, j'ai des piles, si tu veux, pour ton vibro. Ah oh, mais putain, il faut que je me... Je me rappelle quand même vous là. Oh là là. Mais on est d'accord que le truc de presse, c'est. Ah, on est des journalistes. C'est qu'une couverture, quoi. Ouais, on est des journalistes. On est tombé bien bas. D'ailleurs, on prend pas de dégâts de froid là? Pourquoi on prend pas de dégâts de froid? Pas encore. Peut-être parce qu'on est à la bordure du froid. Parce que normalement, quand tu rentrais là-dedans, tu prenais des dégâts directs, hein. Bon, j'ai des piles, j'ai un circuit imprimé. Qu'est-ce que c'est? Munitions. Il y a un traîneau. Ah, sérieux, Perdo, elle est là. On est en Laponie, merde. Ah, mais il est pété. Ah, une hache, je ne sais plus rien du tout là. Ah, j'ai du C4. Alors, qu'est-ce qu'on avait là-dedans? Ah, notre hache. Faut que tu ouvres ton pack de score pour prendre ta hache. Ah, c'est dans mon sac à dos? Ouais. Oh, yes. Et on a le tracker GPS. Voilà. On a un iPhone 14 Pro Max aussi qui est dedans.
plus. Bah, il faut qu'on... Ça commence. Non ! Laisse-moi tranquille. Attends. Eh, mais... Ah oui, on peut toujours faire l'attaque chargée. On peut se défendre. Alors, pour avoir un petit peu... Oui, parce que si je me souviens bien, c'est qu'il mettait des grosses mandales. Mais tu pouvais parer... je crois que la parade... Ah oui, si c'est ça. C'est que comparé au premier, la parade... Oh, il va mourir, lui. La parade, elle était... elle te protégeait quasiment totalement. Alors que là, en fait, avec ce genre de hache, tu prends des dégâts quand même. Ah, voilà. Vite, dans... On entend mieux le son du jeu parce que c'était pas très fort. Je vais poser mon cake. Ok, adieu, on a une grotte là-haut. Sinon, on descend. De... C'est beau. C'est pas mal, hein. Ouais, ouais, ouais. C'est pas mal, là, je fais... Oh, et attends, parce que c'est vrai qu'on prend de la vitesse, là. C'est dangereux, sa mère, je suis mort. Je suis pas mort. Où t'es descendu, alors. Wotan, ça a pas fait comme la luge, mais je suis pas mort. Dark, hein. Je veux dire, c'est c'est pas moi qui fait le... Non, c'est faux. Ouais, c'est faux. Ouais. Eh, vas-y, ouais, en vrai, j'ai survécu. Et j'ai pris aucun dégât, mais de toute façon, on est déjà ultra blessé. Par tradition du jeu. Ouais, j'aime bien arracher des arbres, ouais. Je suis tombé de 2 mètres, je suis mort. Toi, t'as dévalé comme un cochon. De fou. Je suis pas mort. Non, je réapparais au village, les gars. Ah, t'es au camp ? Faut déjà qu'on aille te sauver. Bon, il faut sauver le soldat Wotan. Nous avons une mission. J'arrive, on arrive. Non, mais écoute, là pour l'instant, bon, voilà, je suis là. Ils sont 1, 2, 3, 4. Oula, il y en a 5, 6. Il y en a avec un masque doré. On va se faire douiller. Ah, il y a des dorés et tout. On a rien encore. On a même pas amélioré nos armes. Merci. On a même pas de Glock, quoi. Merci de m'avoir sauvé. Je vous laisse. Ah, il y a Gollum là-bas qui est en train de taper un sprint. Écoute, il m'attaque pas. Donc, mais en plus, on a pas de vie. Au final, il m'a tapé. Voilà, attends, moi j'arrive. Il y avait des fleurs. C'est des fleurs jaunes qu'il faut qu'on trouve, je crois. Ouais, bah moi c'est du C4 que je vais trouver pour aller les revoir. Moi, tu vas j'ai voir. Bouffé quoi. Ah merde, c'est des mauvaises plantes ça. C'est de la mauvaise herbe. Ah ouais, parce que ça se trouve, ils ont changé les trucs à bouffer. Ça se trouve, ils ont des nouveaux trucs. J'arrive, sympa. Ah, je les agresse pas. Ouais. L'autre il arrive, bam, il me tape. Ok. On est d'accord, dans The Forest, on nous avait dit oui, le tapez pas parce que si vous les tapez, non. Ça c'était dans le premier ça. Ouais, dans le premier, ouais. Ouais, le premier, pas dans le deuxième. Hein. Le deuxième, on s'est toujours fait bolos, hein. Ah bah, effectivement, je te confirme. Mais ouais, c'est fluide de fou. Oui. J'arrive, on vient dans ta direction, mais on est loin, en fait. Voilà, je suis là. Bonjour. Ah, bah ça va. Bon. Bonjour, je t'ai dit. Bonjour. Alors, attends. Par contre, on est pas loin d'un village, donc moi, j'irais peut-être pas poser mon campement ici. Attendez, descendez. Je suis sur le cours d'eau, là. Rendez-vous au cours d'eau. Ok, rendez-vous cours d'eau, viens. Je suis sur le cours d'eau là. Oh, il y a un monstre. Il y a un mob cours d'eau en bas. Aïe. Nous on est vraiment très proche du village, moi je m'écarterai quand même d'ici. Vers la gauche. Je peux soulever les grosses pierres. Regarde ce que j'ai en main. Ouais, bah, je l'ai fait. Mais après tu peux que la poser, tu peux rien faire avec. C'est ça. Tu peux faire ça. Aïe. Comment t'as fait? Un G. Attention, il y a un Gollum là-bas. Gollum au niveau du cours d'eau à droite. Bon, c'est après, G pour gueuter. Ah oui, G pour gueuter, putain. Ça me paraît cohérent de pas pouvoir mettre une pierre aussi grosse dans ton sac à dos parce qu'il m'en m'a fait que tu peur en mettre 20, tu sais. Eh hey, les gens, il y a des cadavres, il y a des cadavres ici. Ah attends, mais c'est quoi, c'est les squelettes que j'ai secoués ou pas? Attends, je viens voir. Ah peut-être c'est tes squelettes, ouais. Ah bah c'est ça, c'est les squelettes que j'ai secoués. Aïe. Oh là, ça commence. Ah bah désolé. Dark passé devant. Il y a un Gollum juste à côté de moi là. Ah tu vois, il attaque pas hein. Non, il attaque pas, et ouais, puis non, ceci dit, les Gollum m'attaquent pas. Après, ils nous sondent un peu, hein, c'est quand, ouais, quand le on s'approche pas. Trop, ça le provoque. Le provoque pas. Je regardais juste si c'était un mâle ou une femelle, mais bon, bref. Non, mais tu te rappelles, dans le premier, ça avait commencé comme ça. Non, mais vous pouvez les attaquer. Qu'est-ce que j'ai fait? Je leur ai mis ma hache dans les gencives. Bon, après, on n'a pas de vie, donc pour l'instant, je fais pas le malin parce que je me suis pas heal encore. Il faut qu'on trouve les herbes médicinales, là. C'est les herbes qui nous soignent. C'est ce que j'allais dire. C'est les fleurs jaunes, je crois. Il y avait des. Attends, c'est quoi ça? Tu sais, on n'a même pas un point de spawn, donc si on meurt, on respawn à Bellwed. L'achillée. Alors, faut que je regarde l'achillée. Je crois que c'est les jaunes. Il y a des fleurs blanches là. N'hésitez pas à les récolter. Toutes les fleurs que vous croisez. N'oubliez pas de les identifier aussi. Attends, les blanches, c'est quoi déjà? Oh, il te propose de faire une lance artisanale. Excellent. Ah, il y a une suggestion de craft maintenant. T'es plus obligé de galérer tout seul. Oh, c'est trop bien. Ah oui, tu veux dire le point d'exclamation qui apparaît en mode ouais, bro. Il te dit, date à ce qu'il faut pour faire une lance. Excellent. Oh, il y a encore lui. Ouais, lance artisanale. Et il me jette un caillou. Il t'a jeté un caillou. Ouais, il m'a jeté un caillou. Mais il n'y a plus de respect. Ouais. Donc ça. Hop là, les myrtilles. Il est reparti quelque part dans les buissons. Ah, je suis obligé de les manger pour savoir ce que ça me fait. Ouais. Ça fait chier. Mais de toute façon, il faut tous les découvrir. Hein, donc, ouais. C'est un peu comme mes Pokémon en fait. Déjà, graphiquement, très beau, ça fait plaisir. Ah oui, toi tu redécouvres le jeu.
Avant, t'étais en 8 bits. il jouait, il était sur Game Boy Pocket, et t'es en mode, putain, j'adore Sons of the Forest. Regarde, tu me disais, ouais, c'est beau. C'est sympa, mais c'est un peu dur à suivre. C'est beau, mais c'est compliqué. Hein. Ça te fait quoi d'avoir un render distance supérieur à 5 mètres? Ah là là, non mais tu rigoles, mais n'empêche que pour les autres jeux ça va être sympa. Chaque fois, t'as une petite. Et tu sais, on avait des récolteurs de pluie là avec les carapaces de tortue. Je sais plus comment ça fonctionnait dans celui-ci. J'en profite pour me faire une lance. Laisse-moi deux secondes. Vas-y, vas-y, on se met à pêcher. Pourquoi j'ai perdu de la vie là? En fait, j'ai jeté le caillou devant moi. Il t'a allumé. C'est un assassinat. Pur et simple. Et sur le moment, je l'ai pas vu. Je me suis dit, c'est pas possible. Pur et simple, il a voulu te tuer. Mais en fait, je l'ai jeté au moins à 5 mètres de toi, mais c'est toi qui le temps que le caillou il tombe. Je t'explique rapidement le concept. Il semblerait qu'il y ait quand même pas mal d'hostilité autour de nous. Tu vois, les tout nus, etc. Si tu commences à nous la mettre, tu vois ce que je veux dire, ça va être compliqué. Titre. Je viens de poser un gros caillou là, mais je sais pas. Ah, il y a un point d'interrogation. Ah, une huître royale, les gars. J'ai une huître. Ah oui, c'est vrai, ça se mange ça. Bah les huîtres bien sûr que ça se penche, mais là c'est quand même la richesse quoi, je veux dire on est passé des baies blanches pourries qui donnent la chiasse à des huîtres. Et si je dis pas de bêtises, il y avait de la poiscaille qu'on pouvait choper pour bouffer assez vite quand il y avait des problèmes de bouffe. Par contre je la vois pas dans mon inventaire. Allez tombe dessus là. Il est là le Jean-Kevin. Yeah. Oh non ça. Bah dis-lui de ramasser du bois Jean-Kevin. Oh j'ai pas fait de réaction en chaîne. Ah mais il y a un walpé là-bas. Ça se rend utile. On peut peut-être déjà le faire, c'est pas mal en vrai non. Tiens regarde j'ai setup, vous le voyez normalement non. Ça y est t'as déjà feu de joie. L'abri là, c'est quelqu'un qui l'a posé. C'est ou moi, c'est... Ouais, c'est moi, c'est moi. Ouais, 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 ouais. Bah attends, on va t'aider alors, on va t'aider. Non, mais c'est l'un de vous qui l'a c'est posé moi. Ou pas. C'est moi, c'est moi. C'est Dark. Ah, oui, et parce moi. Que j'ai. Ah merde, j'ai cassé la bâche. Enlève la bâche. J'ai juste sauvegarde. Hop, voilà. Je vais pas enlever la bâche. On se fait un feu. Attends. Ah putain, mais je suis mieux depuis tout à l'heure en fait. Ah merde, c'est pour ça que ça faisait du bien. Ça fait quelques minutes que t'es venu. C'est pas grave, c'est bien, écoutez, vous avez pu profiter. Oui, je disais, oui, c'est pour ça que je dis, oui, j'ai posé l'abri, enlève ta bâche, fais un feu de camp, pose-le. Putain, mais j'ai dit plein de trucs, moi je dis, pourquoi vous me laissez tout seul, je suis en train de faire le campement, machin truc. Vas-y, et bah vas-y, fais-le. On est et là, bah attends, je fais juste ça pour l'instant, je suis juste un feu à l'arrache. Là, j'ai mis juste une brindille. Voilà, c'est bien ça. Bon, on peut faire passer la nuit tout de suite, hein. D'ailleurs, je vais sauvegarder. Non, ça va pas marcher, il faut les pierres moyennes. Ça. Ah, j'en ai des pierres, regarde. Ouais, vas-y. Et voilà. Ah, mais voilà, mais franchement. Alors, ça, c'est nouveau, je crois. Oh merde! J'ai du sang sur les mains! Voilà, c'est et là maintenant, t'as un. Cette histoire. Alors, ça, c'est nouveau. C'est nouveau ce type de feu, je crois qu'on avait pas, on avait pas bon, un feu comme ça. Je vais remettre ma viande de raccoon. Et là, tu peux mettre des bûches, voilà. Voilà, viande de raccoon, là. J'ai soif! Oh putain, je vais choper la ch'touille. Il fait grand soif. Ah mais ta pierre de mort là, on peut plus l'enlever maintenant. Oh là là là. Si là, avec X non, ou C. Non mais ou... la décoration elle est complètement flinguée là. Oh. En fait ouais, on a posé des pierres au sol et après j'avoue. Comment on les enlevait? Je crois qu'il y avait un truc avec comme X, tu m'as dit. Oh, ouais, je suis malade. C'est qui a parlé? Je vais me chier dessus. Hein, de quoi? Bah c'est le meilleur ça. Je me chier dessus. Mais non mais mon perso il a le ventre qui gargouille là. C'est il a la touriste. Ouais c'est ça. Ah mais regarde. Venez, tiens vas-y, regarde c'est prêt, venez manger avant que ce soit cramé par contre. Ah oui putain oui c'est vrai. Oh une carapace. Attends il faut parce que ouais c'est pour récolte d'eau de pluie. Attends. Je crois qu'elle est là. Oh coucoune qui s'approche. Oula. Tu es malade. Ah oui bah oui j'ai bu, voilà je suis malade. Oh il monte les arbres. Ah si. Oh trop bien. Les carapaces de tortue tu veux dire? Regarde le raccoon, il est dans l'arbre, il monte. Il a fini dans le décor, reviens. Mais au pire, le raccoon, tu veux pas le choper pour qu'on ait de la viande, en fait. Je pense à notre ligne, il faut qu'on mange, en fait. Alors, les tortues donnent de la bouffe, hein. Bon, moi, je suis en train d'arracher des tortues, là. Par contre, non mais... Qu'est-ce... Il est toujours aussi con, en fait, lui. Non, ça va, en vrai. Mais par contre, il est en train de... Ouais, bon, il est en train de péter un plomb, un peu, mais... Vas-y, et tout, mais je sais pas. Oh, bah, le raccoon ouais, bon, bref. Le raccoon. Reviens, reviens. La déception quand même. Reviens. Ah d'ailleurs c'est une tête de tortue, tiens, équipée. C'est vrai que je peux l'utiliser comme javelot. La lance. Atlantique. Ouais, je suis fatigué, ça y est, je suis fatigué. Toi, tu es en train de dupliquer du bois. Oh, il y a Virginie qui est de retour. Eh les gars, il y a Virginie. C'est comment on faisait pour la charmer déjà, je me rappelle plus. Virginie, oh reviens là. Je sais plus. Je crois qu'il fallait pas être menaçant, il fallait Ah non, range tes armes. Il fallait ranger les armes, genre on n'est pas méchant. Comment on fait pour ranger Ne bougez pas. Ranger une arme.
Ah bah vous rappuyez sur la touche raccourci en question, ou sinon vous équipez autre chose. Non mais voilà, mais... Non, bah ça y est, il a frappé. Watan. Non, c'est pas moi. Et oui, clic droit et ensuite clic gauche, comme ça tu vois où elle atterrit et tout. Ah ouais... Et tu vises la tête, regarde. Pam. Voilà. Oh. Viens, il y a des bambis de l'autre côté, viens, on traverse. J'ai chassé du raccoon. Oh, regarde, il y a un raccoon là. Attends. Oh, il monte aux arbres. Oh merde. Oh, il jump et tout. Oh, ouais, c'est stylé. Attends, comment je suis pour tuer maintenant ce que... Bah, tu t'en refais une, hein. Et les gars. Non, j'abats l'arbre, Là-bas, il y a un truc bleu. Qu'est-ce que c'est, le truc bleu? Est-ce que vous voyez bleu. Au nord, quand on avance... Bah, regarde, dans ta direction, Wotan, il y a une sorte de truc bleu. Quand tu zoomes à fond, il y a un point bleu. Bah, je suis chaud. Attends, j'arrive, parce qu'au final, j'étais pas du tout là où tu étais, en fait. Je suis tombé sur un 4x4. Un petit... tu sais, le truc de golf. Comment on va retrouver notre camp, après? C'est une excellente question. Les gars! On peut le conduire? On peut le conduire! Attends, est-ce que je peux monter? Oui, tu peux, il y a 4 places. Je peux monter. Oh mon dieu, je peux monter. Oh, on va chercher Clem. Vas-y. Oh! On n'avait pas les véhicules encore à ce moment-là. Clem! What the fuck? Oui. Vas-y, tu peux monter. Oh, c'est génial! Putain, il y a un gigantesque iPad. Oh, j'adore! Mais c'est parce que c'est une voiturette Tesla, mon gars. Bip, bip! Non! La merde, Tesla. Ah, ouais, c'était. Attends, on est mort là? Non. Non. Par contre, on peut appuyer sur G pour sortir de la voiturette. Hein. Et après, on peut appuyer sur E pour la retourner. Regardez-moi ça, le truc, il est en mode. Ok. Oui. Je l'ai déjà retourné. J'arrive pas, en fait. Ouais, c'est bon. Allez, bien, bon ouais. Il voilà. Y a une touche pour la pousser, regarde. C'est où qu'on peut la pousser? Pour la faire c'est E, c'est sur le capot, Ah. Tu l'as fait bumper, mon gars. Ah. Ça n'a aucun sens. Arrêtez. Ouais, mais attends, parce que moi je veux essayer aussi de la faire bumper du coup. Et... Oh, il y a des. Là, il y a maman qui a dit c'est l'heure de venir à table. Il y a des tout nus. Non, il va falloir qu'on construise un parking là, hein, parce que ça va pas du tout. Dès que ta barre jaune elle est vide, par contre, faut reboire direct en fait. Comme ça, t'es pas malade. Non, mais il y a de l'eau partout. Moi, je traverse. Non, fais pas ça. Freestyle. On va dans quel. Non. Bon, après, on est en mode gentil. Regarde, on avance. Tiens, attends, regarde, on cueille des champignons. Ah, il tape des sacrées pointes. tape des sacrées pointes. Théma, ça fait du 0-100 là en 10 secondes. Après, tu sais, faut qu'on fasse comme dans Aladdin, tu vois. Genre. Tu as confiance en moi? Tiens. On a tué un tout nu. Allez. Attends, on va découper ses membres. Il y en a un autre? Sinon, prends sa peau et tu proposes ça comme vêtement à Birgit, et puis c'est réglé. Ah, mais là, ça y est, je vais recommencer mon règne au cannibale. Ouais, j'allais dire, on est d'accord que là, ça y est, on vient de lancer les hostilités en mode dégueulasse, en fait. Il fallait pas tuer, en fait. Et là, on a tué, ça y est, on a pêché. Ça recommence. Il y avait des coordonnées GPS. Il y avait un truc qui permettait d'avoir un GPS. Ça va nous être le truc orange, là, tu veux dire? C'est quoi le truc orange? C'est notre campement? Non, moi, je dirais que c'est une grotte avec. Oh, attends, regardez, l'aloe vera. C'est pour les packs santé, c'est bon. On laisse. Oh, ouais, j'ai tout pris. Aloe vera. Enfin, t'as tout pris, mis à part plus de la moitié. Ah, bah peut-être qu'il y en a pour tout le monde. Alors, c'est quoi le point jaune? C'est de moi. Ah, c'est pas une grotte avec un item particulier, c'est une grotte. Oh, y'a un mec! Y'a un mec mort! Ah! Y'a un document ouais, à voir. Gordon Puffton refuse. J'ai trouvé. Ah, le localisateur GPS! Oh, ça a changé! Mais là, y'a quand même une grotte, j'ai pas dit de la merde en fait. Gordon refuse de reconnaître cet endroit. Not even counting my team have been finding another. Machin. Ouais, voilà ce qu'ils avaient fait. Another side, donc il y a deux entrées dans la même grotte en gros. Qui c'est qui imprime encore des mails aujourd'hui? Franchement, il y a que les banquiers pour faire ça. Hein. Mais encore une profession qui s'est pris une balle. Attends, Dark est rentré dans la grotte. Non, j'ai juste pété là, j'ai rien fait encore. Pète comme si tu veux, mais oh là là, qu'est-ce que c'est sombre là-dedans. Oui, attends, mais je crois qu'il nous fallait autre chose. Par contre, on faut une torche, mais il a été écrit par un personnage de Genshin Impact. Ah, pour son cuir. Par contre, les gars, en termes de stuff, on n'est pas ouf. Hein. Oui, mais tu sais, c'est dans les grottes qu'on chope les trucs. Ouais, c'est dans les grottes qu'on meurt aussi, non? Non, mais t'inquiète, tu te rappelles, c'est comme d'hab, on avait toujours été en mode, ouais, les grottes, c'est dur, en fait, tu rentres. Ouais, c'est pété, je suis d'accord. C'est là où tu... Regarde, il y a du tissu, voilà, c'est les trucs qu'on... Là, il y a du loot, en plus. Comment tu fais pour ouvrir? Tu sais, tu regardes vers le bas et tu frappes avec ta hache. Voilà. Là, on a des ficelles, on a des trucs. Ah, yes. Ah, bah, la voilà, l'huître. L'huître crue. Ah, purée.
Tu vois, j'ai trouvé du tissu. C'est dans les grottes qu'on fait les meilleures. Pardon, c'est pas ça. Oula, oula. C'est dans les grottes qu'on fait les meilleures confitures. Ah, on peut faire une armure en feuilles. Il y a plein de cordages. Eh, l'eau ici, elle devrait être pure, on devrait pas être malade. Pourquoi est-ce que... Non, elle est aussi dégueulasse que dehors. Hein. Mais c'est pas normal, pourquoi est-ce qu'on. Tu vois, ça, c'est pas RP, ça, tu vois. Faites-vous une torche, les gars. Attends, je ramasse tout. Ouais, je sais même plus comment on fait. Une torche. Ah oui, mais non, je crois que la torche, elle se consomme au bout d'un moment. Donc. Le briquet, ils l'ont amélioré de ouf, on est d'accord. Ah, le briquet, c'est notre joke, hein, mon gars. Et c'est devenu un projecteur de 10 000 lumens, quoi. Oh, c'est quoi ça? C'est un piège. Là, on est sur. Mais attends, c'est un craft d'un piège. Un schéma. Ah, trop bien, non. On gagne des schémas maintenant. Ok. Mais ça, c'est trop bien en vrai. Ah, ils ont rajouté plein de petites grottes et tout. Excellent. On va voir. Bah, en tout cas, on a fini la grotte là. Ah, c'était tout? Bah, ouais, mais c'est pour ça qu'il faut les faire. Hein.